Vous avez réussi là, au sommet des alpages rongés par l'eczéma de la station partout ailleurs, ce que l'urbaniste Armin Melli avait proposé un demi-siècle plus tôt un site à taille humaine pour Verbier. Grâce à votre persévérance quotidienne, voilà que le hameau touche à sa fin. Votre bureau de vente, World Federation of the Sporting Goods Industry, commence à respirer. J'ai appris que le gardien portugais de la mairie doit déménager au sous-sol parce que son appartement de service est mis en vente. Sans doute le dernier. Après tant d'efforts, vous pourrez bientôt fermer quelques ordinateurs. Comme le signale votre hagiographe préféré, dans un style proche de la chasuble, vous avez créé un vrai village inspiré par le savoir-faire de nos ancêtres. Un vrai village et non un village vrai. Notre langue est bien cruelle. Votre exégète aurait pu ajouter le savoir-faire de vos planches à dessin. Quel ingrat. Vous avez là un fort bel ascenseur pour descendre vers nos racines. Vous êtes ainsi devenu l'ambassadeur d'un valet désuet revu et corrigé par vos performances techniques. Vous êtes le courtier de valeurs caduques, ressuscité par des combinaisons hypermodernes, le nonce du folklore haut de gamme, émancipé du pittoresque bien involontaire de nos aïeux. Vous êtes encore le légat de notre patrimoine de vieillerie métamorphosé en matière noble pour habitacle de loisirs luxueux. L'avocat éclairé, de nos misères ancestrales transformées en nourriture de charme. Certes, il ne reste rien de notre passé dans votre hameau culturel. Et pourtant, tout s'y réfère. Quelle prouesse vous avez tirée de votre imaginaire pour coller tant de souvenirs hétéroclites en une si belle harmonie. Le nouveau finit toujours par être conservateur. Il suffisait de dévier l'orbite sur laquelle le passé reposait pour l'intégrer sur de nouveaux paramètres. Vous avez fait du faux avec du vrai, du luxe avec du pauvre. L'idée est simple. Encore fallait-il l'exécuter. Ce qui me va droit au cœur, cher Dorsa, c'est la peine qu'il vous a fallu pour reconstituer avec tant d'ingéniosité notre folklore architectural sans folk. La raison sociale de votre restaurant, le relais des semailles. Semailles ce à cette altitude a dû plaire au lyrisme de votre attaché de presse quand il chante sur le papillon la fécondation de l'ancien par le moderne. C'est vrai que les madriers rudimentaires de nos villages prennent une dimension flatteuse quand ils sont assemblés avec tant d'élégance sur la tête de vos hôtes. Vous êtes orfèvre, ce pierres et poutres. Non seulement vous avez créé ce hameau. Mais vous avez encore endossé le complet veston du promoteur et du représentant de commerce pour mériter la confiance de la haute finance vacancière. Vous avez pénétré la jet-set, séduit les artistes, attiré les gourmets à votre table, les conférenciers dans vos salons et toute une faune discrète dans vos chalets. Vous savez fort bien jouer la sérénade de notre patrimoine. Vous aimez le valet, cher Dorsa, pour autant qu'il ressemble à votre hameau. Vous êtes, chaque pierre et chaque bois l'atteste, le père spirituel d'une nouvelle image de notre pays, où intimité rime avec communauté, comme le répète votre prédicateur. La belle hypocrisie que voilà. Un dernier mot, cher flatteur de nos montagnes, je ne fréquenterai pas votre paradis californien. J'ai, croyez-moi, pleinement conscience de mon ingratitude. Où vous trouverez, j'imagine, du dépit pour votre œuvre. Mais je conserve dans la tête une vieille photographie bien jaunie d'un hameau avec les charrettes, le mulet, avec du foin dans les granges et du bétail dans l'écurie. C'est un vieux cliché, une image d'épinal avec des odeurs de poulailler et avec des grillages rouillés où prolifère une jungle d'orties et de framboises, avec la mémoire de ces humbles travailleurs sans nom, comme l'affirme le dépliant illustré, je préfère leur donner un nom plutôt que de les oublier sous le charme de vos artifices.